Vous savez pas quoi? C'est le déconfinement! Eh bien bonjour à tous mes amis, c'est Tommy, j'espère que vous allez bien. Moi, bon écoutez, je change un petit peu d'intro, voilà, parce que c'est vrai que ça fait du bien, un petit peu de nouveauté et tout. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi écoutez, bah comme d'habitude, ça va extrêmement bien. Mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière et très spéciale que vous attendez depuis un moment. La fameuse vidéo FAQ mes amis, je vais enfin répondre à vos questions, ça va être une histoire. Vous êtes des grands malades. Du coup, juste avant de commencer la vidéo, je voudrais essayer un nouveau petit concept. Si tu es nouveau et que tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien hésite surtout pas, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir partager mes aventures avec toi. Et sur ce mes amis, on commence de suite. À quand des lives sur des jeux? Alors, en fait, c'est quand j'aurai la fibre. C'est-à-dire que mon débit actuellement ne m'autorise pas à faire ce genre de truc, même si j'ai déjà essayé plusieurs fois. Et franchement, j'ai pas un débit chez moi assez élevé pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, c'est pas pour tout de suite, voilà. Suivant. À quand des vidéos sur FNAF? Alors, bah tiens, ça tombe bien que vous parliez de ça, parce que justement, mes amis, vous êtes relativement nombreux à me demander de faire des vidéos sur Five Nights at Freddy's, sauf que le problème, c'est que ce n'est pas prévu dans mon programme de faire ce genre de vidéos, parce que, pas que ça me plaît pas, j'adore franchement, ça fait vraiment rire, mais c'est vrai que y a des trucs qui sont prévus dans mon emploi du temps des vidéos, et Five Nights at Freddy's n'en faisait pas partie, du coup, je m'organiserai pour faire une vidéo, vous inquiétez pas. Et on passe au suivant. Alors, quel est ton plat préféré et ton premier jeu vidéo? Alors, pour mon plat préféré, sachez que c'est la pizza au saumon, donc la pizza norvégienne si vous voulez, avec supplément chorizo, pardon, si vous voulez, c'est juste, je trouve c'est terrible, voilà. Déjà, je suis un gros fan de pizza, j'adore ça. Et ensuite, ton premier jeu vidéo, écoutez mes amis, je me souviens plus exactement mon premier jeu vidéo, je crois que ça a été Mario Kart sur Super NES, ou un truc comme ça. Oui, ça devait être ça, mais sinon, vraiment, le jeu qui m'a le plus marqué, c'était un MMORPG qui s'appelait Lego Team Online. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais franchement, je trouvais ce jeu absolument génial, voilà, et malheureusement, ils l'ont fermé. Danse à Macarena. As-tu déjà écouté Isunek? Qu'est-ce que c'est que... Bougez pas, je veux écouter. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà que ce mec me fait trop rire. Quelle est la marque de ton téléphone? Alors, et en plus je vais en profiter pour répondre aussi à la question, tu utilises quoi comme logiciel d'enregistrement? Alors vous êtes nombreux à me demander ça et c'est pour ça que je vais y répondre. Alors j'utilise un téléphone qui est un Mi 9T, un Redmi 9T, qui est un téléphone voilà, suffisamment respectable et puissant. Et en fait c'est une application d'enregistrement vidéo qui est intégrée de base au téléphone et donc qui me permet justement de faire mes vidéos, voilà. Sinon, pour savoir, en fait, j'enregistre le son interne du téléphone et avec un autre appareil à côté, j'enregistre le vocal. Hein. D'ailleurs, j'enregistre le vocal avec ça et c'est très pratique d'ailleurs. Et, mais voilà, c'est bon, il y a pas de plus. Et quand c'est sur PC, j'utilise Action. Et pareil, pour le vocal de Action, c'est l'enregistrement interne et j'utilise l'autre appareil à côté. Voilà tout. Est-ce que tu es Mister BG 2000? Tu savais pas? Quand as-tu voulu faire des vidéos sur YouTube de la peur de Ruff? Ouh. Non, alors c'est une excellente question. Quand est-ce que j'ai voulu faire des vidéos? Bah du coup à partir du 5 juin. Mais ça faisait très longtemps, depuis que j'étais tout petit, que j'avais vraiment cette passion, que je trouvais ça super intéressant de s'animer, de faire des vidéos et tout, de faire du montage et tout.
Et franchement, j'étais très intéressé par ça. Et donc, ça fait des années que franchement, je m'intéresse à ça. Donc, c'est une très bonne question, voilà. Et j'espère que j'ai pu répondre correctement. On passe à la suivante. Est-ce que tu sais dessiner ? Oui, alors je pense que je sais dessiner, hein, ça dépend du point de vue des gens. Mais oui, je pense que je sais dessiner d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est un des dessins que j'ai dessiné. Je l'ai fait avec ma mamie, celui-là. Et sinon, un dessin que j'ai vraiment dessiné tout seul, s'affiche à l'écran, voilà. C'est le King Titan de Arc Extinction, mes amis, que j'ai dessiné avec le plus grand amour. Et il m'a pris 6 à 7 heures de dessin, c'était incroyable, bref. Du coup, oui, je sais dessiner, voilà. Pourquoi as-tu créé une chaîne? Alors, écrit serré, mais je vous en dis, c'est une faute d'orthographe. Alors, pourquoi j'ai créé une chaîne? Pour la passion, franchement, c'est vraiment le fait de pouvoir animer une vidéo, la monter, la modifier comme tu veux, divertir les gens, les faire rire et tout, franchement, c'est quelque chose vraiment qui me passionne et j'ai vraiment trouvé uniquement YouTube comme moyen pour pouvoir justement faire ça. Donc, mais c'est grâce à vous, surtout aujourd'hui, si je peux faire ça, parce que c'est vrai que s'il y avait personne, je pense que je continuerai quand même parce que vraiment j'ai ce besoin de m'exprimer. Mais c'est vrai que c'est vraiment aussi grâce à vous que je continue avec autant de plaisir à faire mes vidéos parce que vos commentaires sont tellement agréables. Et quand je revois des personnes en message privé qui me disent tes vidéos passent trop vite, elles sont quand les prochaines, ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, merci encore infiniment à vous. Et donc, du coup, j'ai créé vraiment cette chaîne pour la passion. Voilà, du coup, prochaine question. À quand vidéo multijoueur? Alors, c'est une assez bonne question. Les vidéos multijoueurs, j'ai prévu de les tourner, c'est vrai. Mais c'est un peu compliqué à organiser parce que justement, qui veut dire multijoueur dit à plusieurs. Et tout le monde n'est pas forcément disponible au même moment que moi. Donc, c'est quelque chose dont je dois réussir à m'organiser. Mais en soi, c'est pas forcément compliqué. Mais à quand les vidéos multijoueurs, je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que vous allez en avoir, ça c'est certain, parce que j'adore le multijoueur. Voilà. Du coup, mes amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je me suis encore très amusé. C'est pas vraiment français ça. Mais je me suis beaucoup amusé à faire cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de répondre à vos questions. Je sais, il y en a. Ça faisait un moment, ils attendaient cette vidéo. Du coup, je pense que ça va leur faire plaisir. Voilà. Mais du coup, j'espère que la vidéo, franchement, vous aura plu. Voilà. Si c'est le cas, eh bien, je le répète encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un bon gros pouce bleu. Ça me ferait super plaisir à partager la vidéo et tout. Enfin, bref. Vous connaissez l'histoire comme d'habitude. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mes amis. C'était Tommy. Ciao tout le monde.